Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la pour ce nouvel épisode de Starband V4 Please Giraffe. Donc, on va y aller franco, canne à sucre. On reprend l'exploration de cette planète. Je précise au passage, peut-être qu'il y aura sans doute une utilité à tout ce que je fais là. Par exemple, soit je laisserai ce que j'ai en double, soit je repartagerai en fait. Donc on verra bien. J'espère qu'il y aura ce genre d'entraide sur le serveur aussi d'ailleurs. Parce que nous sommes sur le serveur actuellement, ce que je veux dire c'est entre joueurs. Principalement. Oh, un coffre. What? Pollen Pump! Oui, on l'a trouvé! Génial! Regardez. D'aller voir, c'est génial. Hop. Est-ce qu'on peut trouver un monstre, s'il vous plaît? Ça l'empoisonne. Voyez? Bon, c'est pas épique. Je trouve ça drôle. Ah, je suis plein de flotte. Je suis complètement mouillé. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, si je charge le coup, hop les, c'est fait une espèce de shotgun en fait. Hop. Voilà pourquoi cette arme est sympa. What the... C'est intriguant tout ça. Pourquoi pas? L'arbre bouge ou c'est dans ma tête? C'est le vent qui fait ça? Génial. Hop. Alors bien sûr, comme avec un arc, vous êtes ralenti quand vous utilisez directement la charge de la pompe. Hein. Je tiens à préciser. Voilà exactement le genre de choses pour lesquelles je fais ce petit retour sur les planètes de ce genre. C'est vraiment pour trouver certaines petites choses qui paraissent pas comme ça, par exemple comme cette armure. Hein. Vous voyez, on a un casque. Bon, on va pas le mettre par contre. Hein. Hop, je laisse le coffre. Moi, gros traître. Ah, dégage, merci. Hop. Des floranes. Je vais gazer des floranes. Oh putain. Alors là chers amis, il y a sans doute de l'irrespect façon Front National là, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vais gazer des floranes. Oh non. Eh bah si, on va gazer des floranes. Hop, ça a failli, mais bon, c'est pas grave. Gazon des floranes. Hop. Il y avait pas de la lave ou des trucs en dessous, normalement, là. Exact. Hop. Ah! Aïe, aïe, aïe. Hop. Et là, il y a un coffre. Deux pickaxes. Ok. Pourquoi pas? Je vais ranger ça. Je sais exactement où je vais les ranger, chers amis. Bah, vous savez normalement plus ou moins où est-ce que je vais les ranger. Waouh, waouh, waouh! Dans quelques jours, il y aura la sortie pour moi de Fallout 4, pardon. Je sais pas, peut-être qu'il est déjà sorti vis-à-vis des vidéos pour vous, je ne sais pas. Et croyez-moi, j'ai hâte. Hop. Il n'y a rien de plus insultant que se faire le petit pop comme ça là.
Aïe, aïe, aïe. Dieu merci, ça ne tue pas du premier coup. Coefficient, je prends. Je laisse la carotte parce que. Parce que voilà. What? What? Non, on se calme, les amis. Je viens en paix. Prout. Nul. Blague-moi-y, je la ferai plus. Je suis désolé. Ok, c'est pas passé loin. Flûte, intéressant. Hop. On continue. Retournons au gazage de Floran. Il en reste pas un par là? Oh, dommage. Alors. Oh, je viens de penser à un truc horrible. Oh, mon cerveau vient de me tuer. Je viens de penser à un truc terriblement horrible. Vous savez, les tourelles, vous pouvez les... En fait, vous pouvez les... Comment les... On va dire les alimenter avec une arme. Qui permet... Enfin... Et du coup, cette arme... Comment dire? Cette arme... sert, en fait, fournit ses munitions... à la tourelle. Par exemple, vous avez un lance-grenade, la tourelle va tirer des lance-grenades. Si je donne cette arme à une tourelle et que je la mets dans un espace confiné qui ressemble étrangement à une douche, est-ce que, selon vous, c'est vulgaire? Et que, potentiellement, je mets une plaque de pression sur le sol pour que dès qu'il y a un PNJ qui rentre dedans, ça se met à tirer du gaz. Je fais comment avec ça? Dites-moi tout. D'huile, génial. Hop. Hop. Et on a fait le tour. Bon, voilà. Bam. J'ai gazé l'oiseau. Bam, j'ai gazé le machin aussi. Hop, puis-je passer, merci. Il y avait un coffre juste là. Alors, tellement de bordel à ramasser entre deux épisodes. Ça va être méchant. Hop, on creuse. Hop. Ça va tomber sur... Est-ce qu'on va tomber sur quelque chose d'intéressant? Telle est la question. Hop. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous savez, si vous connaissez des choses. Non, il y a personne. Oula. Hop. Si vous savez que j'ai loupé des choses sur certains biomes, n'hésitez pas à me le dire, sur certaines planètes. En tout cas, celles que j'ai visées. Ne me spoilez pas sur les prochaines, s'il vous plaît. Oula, coffre. Scientist code. D'accord, pourquoi pas. Je dois avoir les lunettes quelque part en plus. Cette épée est assez moche. Est-ce qu'il a répondu? Oui, il a répondu, lol. Quelle répartie de fou, mon cher Rose. Tu as de la chance que j'apprécie cette série. Ou alors, non, ou alors t'as pas de chance que j'apprécie cette série. Oh. Rien dedans. Génial. Faisons un petit essai. Aïe. C'est quoi ce bordel? What? What? C'était la guerre! Le cœur ne meurt jamais. Est-ce qu'il tire comme patate lui? Je vois un truc violet, ça m'intrigue. Ouh! Ouh, je prends!
Hop. Par contre, ça pète de partout, ce machin. Hop. Ah, de beaucoup de lumière par là. D'accord, ok. Vous rappelez que ces apex, ils sont violents. Ah, par contre, si j'ai plus de place, ça va pas le faire. Hop. Ces apex sont violents. On va pas le gazer, c'est un apex. On va le... l'exploser, littéralement. Appeler. Voilà, on repose ça ici. Bam. Rien. Ouh. Grenade. Ah, il avait quoi comme munition? Des vertes. D'accord, des bubules à poison. Pourquoi pas, on va prendre. Vous me direz, il avait prévenu, hein, ne pas entrer. Bon, bah, je suis rentré. Hein. Hop. Voilà. Crac. Eh ben non. Il m'a touché quand même, le salaud. Le salaud. C'est quoi celle-là? Ah, c'est celle avec la... Oui, d'accord. Avec l'huile. Ah, oh, celle qui est frustrante. On appelle ça l'impuissance. Non, je voulais tricher. C'est pas ce que je fais depuis le début, c'est faux. Soyez pas méchants. Hop. Bah si j'avais su, je serais monté directement. J'ai complètement zappé que ça se passait comme ça. Hop. Voilà. Bon. On s'en sort pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien du tout. Ouh, par là, il y a quoi? Absol. Super Pokémon. Humain rien. Il y a la lumière en face cependant. Dommage. Ça aurait presque attendu à quelque chose de cool. Hop. Bam. Bam, voilà. J'aurais bien aimé qu'il soit enseveli. Encore un petit tir. Ça l'a tué aussi, parfait. Mais non. Hop, parfait. Voilà. Du cuivre, ça ne m'intéresse pas. Hop. Ouh, c'est joli ça par contre. C'est même extrêmement beau. C'est la première fois que je le vois celui-là. Hop, raté. Hop, parfait. Bon. Hop. Joué. J'aimerais bien trouver une petite... Merde, il va me bouffer celui-là. Non. Une petite challenge room, ça pourrait être sympa. Apparemment c'est pas par là. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas aussi? D'accord, c'est le début de la fin.
qu'il y a par là? Oh, j'ai dû creuser dans le pire endroit. D'accord, des bongos. Hop, rien d'intéressant. Bon, bah, chers amis, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Enfin, si on arrive à aller jusqu'à la... Oh, blaf. Bon, c'est parce que je voulais aller jusqu'au centre de la planète, mais on n'a pas réussi. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Je ne sais pas du tout combien de temps il a duré, je pense que c'est bon au niveau de la longueur. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce... Non, avant de dire ça, je vais quand même aller vérifier. Il nous reste encore à peu près 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On va se trouver à la prochaine planète déjà de base. On va compter sur le 2, la troisième donc. La troisième, c'est un champ d'astéroïdes. Eh bah tiens, on va y aller, on n'a pas fait encore depuis le début de cette... aventure, je crois. Je vais juste aller ranger mon bordel rapidement. Ça je vire, 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 ça je vire. Ça aussi, et aussi ceci. Ici, on a une chier de choses avec des armes. En... Voilà. On a aussi de l'équipement en quantité beaucoup trop grande. Hop. Alors déjà ça, maintenant j'aimerais ranger tout ça. Parfait. De l'armement aussi, en quantité un petit peu trop grande. Bon, l'armement, j'ai pas encore trouvé où est-ce que j'irai le mettre. Dans les poubelles, tiens, dans la poubelle. Là, hop. Et j'irai résoudre ce problème d'armement un peu plus tard. Les objets rares, on va les mettre avec les vêtements, au niveau des instruments. Hop, et je pense qu'on va repartir comme ça. Nous y voilà, bon, on y va. Hop. Mais c'est que ça commence vachement bien. Bon, alors sur les planètes de ce type, on dézoome un petit peu et on cherche. Comprenez pourquoi maintenant. Hop. Enfin, les planètes de ce type, c'est pas une planète techniquement. Ah, ils ont supprimé tous les dégâts. Génial. Nous sommes donc réellement dans l'espace, c'est cool. Ouh. Ah, mais attendez, un peu plus gros. Avant, il y avait de la vie sur certains astéroïdes. Ils étaient beaucoup plus nombreux aussi. Hop. Je l'ai raté, c'est pas grave. Hop. Pas grand chose en fait, hein. C'est un peu la mort quand même, hein. Ah, un gros astéroïde. Complètement vide, mais un gros astéroïde. Ouais, bah y a pas grand chose, hein. Y a pas grand chose là-dessus, hein. Aïe. Je me suis peut-être trompé, ils ont peut-être remodifié des choses aux astéroïdes, hein. Ouais. Bon, on remonte sur le vaisseau, hein, c'est un peu naze. On va trouver la prochaine planète, je pense. Alors. Au passage. Voilà. 3, donc 4. 4, une forêt, ensuite une désert. C'est parti. Et je pense qu'on va se laisser là, les amis, sur ce petit échec avec l'astéroïde. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de l'apéro, mais rejoindre le serveur dont vous pouvez retrouver l'adresse IP et le port, donc à la page d'accueil du groupe Steam.
Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Cette espèce de voix suave que j'ai eue à la fin.